J'ai commencé, j'étais tout petit. J'allais voir mon papa jouer au foot quand j'étais tout petit, donc c'est ce qui m'a donné envie de jouer au foot. Après j'ai dû commencer vers 5 ans, un petit peu vers 5 ans à Château-Gontier, là où je suis origine. Jusqu'à mes 15 ans, je suis resté dans le club de Château-Gontier. Après, je suis parti au Stade Lavallois. Donc, je suis allé au centre de formation du Stade Lavallois. J'ai fait toutes les équipes de jeunes. Et puis, j'ai signé pro après 2 ans à Laval. Ensuite, après Laval, donc, j'étais à la fin de mon contrat. J'aurais pu renouveler, mais on va dire une petite erreur de jeunesse, j'ai décidé de ne pas renouveler. Du coup, après, je suis resté sans club. Et c'est à ce moment-là que je suis venu une première fois jouer ici aux Herbiers, à CFA à l'époque. Ensuite, après les Herbiers, je suis allé au Poré-sur-Vie pendant 3 saisons. Ensuite, jusqu'à ce que Poré-sur-Vie décide d'arrêter de jouer en national. Après, je suis allé en Corse, jouer au CA Bastia en national toujours. Et c'est ma 2e saison ici, aux Herbiers. Ça a dû arriver vers 11 ans à peu près. Pourquoi ? J'étais pas très bon sur le terrain, Et puis un entraînement, je me souviens encore, c'était un entraînement à Château-Gontier, c'était avec un coach que je connais bien maintenant, c'est Olivier Brault. Et qui, à l'entraînement, j'ai essayé d'aller dans les buts et ça m'a tout de suite plu. Et du coup, depuis, je suis resté. Je pense que je dois avoir un caractère un peu seul, quoi. Enfin, je pense que c'est ce côté-là que j'aime bien et puis ce côté un peu foufou aussi. Voilà, c'est ce que j'aime dans mon poste, c'est ce qui m'a donné envie d'être là aussi. Faut jamais regretter, mais bon, avec du recul, c'est quelque chose que je ne referais pas, oui, c'est... Moi, j'étais chez moi, le club me faisait confiance et ils voulaient quand même me renouveler. Et moi, je voulais absolument jouer, alors que j'avais que 20 ans à l'époque. J'avais eu la chance de pouvoir faire quand même une quinzaine de matchs en Ligue 2, ce qui était très bien pour un numéro 2. Et moi, voilà, un peu peut-être par excès de confiance ou quoi, je voulais tout de suite jouer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas accepter leur proposition. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je n'aurais pas rencontré certaines personnes que je connais maintenant. Donc bon, voilà, l'un dans l'autre. Quelqu'un d'explosif, explosif sur la ligne et puis voilà, un bon jeu au pied. Voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que je peux peut-être un peu plus sortir niveau aérien, peut-être, pour soulager la défense. Mais après, il faut toujours faire un peu plus dans la communication. Voilà. La pénalty, c'était pas ma grande spécialité jusqu'à l'année dernière, moi, où j'ai réussi à en sortir. Mais ouais, les face-à-face, j'aime bien en général, parce que j'essaye de donner des fausses pistes aux attaquants en faisant des petites feintes et des fois ça marche. Moi, ça marche pas toujours, mais j'aime bien. Avec le temps, je m'affirme un peu plus. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus réservé. Je parlais sur le terrain parce que le poste exige qu'on parle. Mais après, dans le vestiaire, je ne parlais pas forcément. Sauf que maintenant, j'ai pris un petit peu plus d'âge et je m'affirme beaucoup plus. Je pense que je peux me dire que je suis un leader, ouais, dans le vestiaire. On va dire que je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. Je fais un peu le foot en temps, mais... aussi parfois, comme diraient mes copains, où je mets pas de filtre, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à se dire, je le dis souvent. Forcément chez les pros avec Laval en Ligue 2 quand même à Brest, je me souviens, c'était quand même un gros moment de la carrière parce que c'est le début. Ensuite la non-montée en Ligue 2 avec le Poré a fait très mal quand même parce que c'était une belle saison, on va pas se cacher, on doit monter quand même. Et puis après il y a eu un bon moment après avec le 8e de finale de Coupe de France aussi avec le Poré. Et puis ici l'année dernière en Coupe quand on a fait un beau parcours, c'était bien, c'était sympa quand on a battu le Ligue 2 et puis c'est sympa.
je vais pas me faire de copains, mais Stéphane Rossi à Bastia, qui avait un gros caractère et qui un caractère un peu. Enfin, je m'y retrouvais un petit peu dans ce qu'il pouvait dire et faire. Voilà. C'est quand même ma sixième année en Vendée, donc bon, je suis quand même forcément attaché au département que je connais très bien. J'ai des amis maintenant, on y vit bien. C'est pas très loin de chez moi parce que je suis de la Mayenne, donc c'est pas loin. Les gens sont sympathiques. Le club, c'est un club familial que je connaissais déjà très bien. Les gens que je connaissais bien, qui parlent de Lilian Bossard, le secrétaire, jusqu'au dirigeant Jackie et Manu qu'on connaît bien et à qui je m'entends bien. Donc oui, c'est un bon club. Il faut avoir des objectifs dans son parcours professionnel, dans le sportif pardon, mais parce que sinon c'est ce qui nous fait avancer. Donc oui, on aimerait forcément retrouver le niveau professionnel. Maintenant le plus facile, je dirais que c'est de monter avec son club maintenant. Plus t'avances dans l'âge et plus les portes pas se referment, mais bon c'est plus compliqué. Donc là déjà à court terme, c'est ce qui compte, c'est le club. Déjà se maintenir en national, faire le plus beau parcours en coupe aussi. Mais bon, on y pense forcément à remonter, mais ce serait bien avec un club vendéen quand même.